pour le Paris Saint-Germain. Ça peut, il reste du temps, il est arrivé très très lourd. Qui a déjà marqué sur France, c'était sa reine. C'est parti. Et Amel battu. C'est le troisième but du Paris Saint-Germain. C'est le quatrième but en quatre matchs consécutifs pour Ronaldinho. 3-0. Ça reste à l'avantage des Parisiens avec Cristobal qui a le temps de centrer. La tête, elle est bonne, c'est le bois, c'est pas les cadrés. Et voici avant la fin du premier quart d'heure, grâce à Ronaldinho, le pas. Ronaldinho, ça bouge devant la cage de Ronaldinho. Et c'est le but, personne n'a touché le ballon. Deuxième journée, là il est face à Rougneux pour le 2-0 et le doublé de Ronaldinho. Passé, là il est Kwasi, Ronaldinho toujours à l'entrée de la surface, Ronaldinho. Oh, l'interception de Ronaldinho. Ronaldinho qui file vers le but de Rougneux. Ronaldinho face à Rougneux, ballon piqué, but! Chercher Ronaldinho, interception de Ronaldinho qui va pouvoir rentrer dans la zone. Il va y aller. Il est sans doute le plus fort quasiment au monde, Jean-Michel. Il va y aller. Ouais, avec Ronaldinho qui demande le ballon. Ronaldinho face à Fallou, la frappe. Quel est le talent. Mais quel talent. Il fait ce qu'il veut avec le ballon. De Flavio Roma, il a déjà raté dans cet exercice, on le sait, mais il a déjà marqué également. Ronaldinho qui va s'élancer face à Roma. Ronaldinho qui marque. Je voulais vous raconter, c'est sur ce côté-là.